Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi a intitulé les signes cosmiques dans le noble Coran. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, et dit, nous leur montrerons nos signes aussi bien dans leurs horizons que dans leurs âmes jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est bien le vrai. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Ce que témoigne le noble Coran, ce que contemple le noble Coran, trouvera qu'il abonde des signes cosmiques qui montrent l'omnipuissance absolue, l'ample sagesse et la splendeur de l'artisanat. Allah, gloire à lui, dit, c'est l'œuvre d'Allah qui perfectionna tout. L'univers témoigne la grandeur et le monothéisme de créateur, gloire à lui. Ce sont les doués des raisons et des perspicacités qui se servent des signes divins cosmiques. Ainsi s'accroît leur foi et grandit leur certitude. Allah, gloire à lui, dit, et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle elle rend la vie à la terre une fois morte et répand des bêtes de toute espèce, dans la variation de vent et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui résonne. Elle dit également, en vérité, dans la création du ciel et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour le doué d'intelligence qui, debout assis, couché sur leur côté, invoque Allah et médite sur la création du ciel et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. Garde-nous du châtiment du fou. Parmi les signes cosmiques, on cite les cieux beaux et parfaits. Allah, gloire à lui, dit, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et l'embelli, et comment il est sans fissure. Elle dit également, donc, c'est lui qui a créé ces cieux, c'est pour poser sans que tu vois des disproportions en la création de tout miséricordieux. Elle dit également, et le ciel, nous le créâmes avec force et certes nous l'élargirons. Elle dit aussi, et nous avons fait du ciel un toit protégé et cependant il se détourne de ses merveilles. Parmi les signes avec lesquels Allah emblit le ciel, il y a ce soleil qu'Allah fit une lanterne flamboyante, il réchauffe les airs et les mers et se déroule d'un système splendide. On cite également la lune qu'Allah fit pour éclairage et lumière, le fit en station pour que nous connaissions le calcul des années. Allah, gloire à lui, dit, et le soleil court vers une gîte qui lui est assignée. Telle est la détermination de Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne pourra rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Il dit également, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que, par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la mer et de la terre. Certes, nous exposons le preuve pour ceux qui savent. Contemplant la terre et ses signes divins, on réalise l'omnipuissance et la sagesse d'Allah qui la fit stable et inébranlable, la prépara à ses créatures, l'érifie des voies, établit des montagnes, et mit de la bénédiction, et mit avec mesure la provision, la fit aplanie pour que les gens puissent marcher dans ces pistes et mangent de la subsistance accordée par Allah, gloire à lui, et créa les jardins et les divers types de plantes irriguées de la même eau. Allah, gloire à lui, dit, c'est lui qui vous a soumis la terre
Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'il vous a fourni. Vers lui et la résurrection. Il dit également, et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé des montagnes et fleuves et de chaque espèce de fruits, il a établi deux éléments de couple. Il fit que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins, c'est-à-dire plantés, de vignes et des céréales et des palmiers en touffe, eau espacée, arrosée et de la même eau, cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Il dit enfin, et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humiliée, c'est-à-dire toute nue, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se lève et augmente, c'est-à-dire de volume, celui qui lui redonne la vie, et certes c'est lui qui fera revivre le mort, car il est omnipuissant. Il dit enfin, ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, si nous qui avons vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, et puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informé pour vous montrer notre omnipuissance, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Et il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu verras la terre desséchée dès que nous y faisons descendre de l'eau. Elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendeurs, de splendides couples de végétaux. La science moderne affirme affirme tout ce qu'ils disent les textes coraniques en matière de la vibration de particules de la terre lors de la descente de l'eau qui fait donc apprendre cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 1400 ans. Il n'y a que le Seigneur de l'univers, nul à part lui, Allah, gloire à lui. L'ange Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier de prophètes et messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, les signes cosmiques qui prouvent l'œuvre splendide d'Allah, gloire à lui, dans la création de l'homme, montrent avec certitude l'existence et l'omnipuissance du Créateur, qui dit, et certes, nous créâmes l'homme dans la forme la plus parfaite. Elle dit également, nous avons certes créé l'homme d'un équestré d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Allah, gloire à lui, dit également, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble qui t'a créé, puis modélé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Il dit également, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Il parle spécifiquement de doigts, de la forme, de doigts, car la forme du doigt et son empreinte est l'un des signes et miracles d'Allah, gloire à lui, dans la création de l'homme, du point de vue de notre similarité, de non-similarité de doigts et de deux personnes, de la création et jusqu'au dernier jour. Oh Allah! Fais-nous au nombre de doués d'horizon qui contemplent tes signes
et en tire profit. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte, et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, docteur Kamal Gadal.